Opposé à une équipe de Young Boys en proie au doute, le FC Sion se devait d'obtenir 3 points dimanche à Tourbillon. On pensait que cela pouvait être le cas lorsque Moussa Konaté égalisait à 1 partout en début de seconde mi-temps. Mais les largesses de la défense sédunoise ont rapidement douché les espoirs valaisans. 10 minutes après l'égalisation, Gonzalez crucifiait Vanins. Puis ce fut au tour de Souleymani d'enfoncer définitivement le clou. À l'issue de la rencontre, l'entraîneur Didier Tolo déplorait l'attitude de ses joueurs après l'égalisation. Je pense qu'on revient très vite et puis on veut aller vers l'avant en ne gardant pas des sécurités, ce qui faisait notre force sur les matchs précédents. Voilà, donc on a voulu vraiment revenir avec une envie de bien faire, mais une envie de bien faire qui était maladroite par rapport à cette équipe d'IB qui jouait très très bien les contres.